Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors oui, je vous l'accorde, ça fait un moment. Qu'est-ce que tu foutais, Caro? Pourquoi tu ne vloguais plus? Bon, il y a eu plusieurs raisons déjà, la perche. Hein. Il n'y avait plus de perche, je ne pouvais plus. Donc j'en ai commandé une hier soir sur Amazon qui est censée arriver aujourd'hui. Mais j'ai un petit doute, il est midi. Parce que celle-ci, une fois sur deux, ça ne va pas du tout. Ça merde les plans. Enfin bref. Et puis, comme je vous ai déjà dit, elle est très très lourde. Et puis c'était pas la grande forme, donc j'en avais marre de me montrer en mode je suis pas bien, je suis pas bien. Donc bon, je reprends aujourd'hui parce qu'à un moment donné il faut s'y remettre. Eric, quand tu descends l'escalier, qu'est-ce que tu es discret, dis donc. Et j'ai entendu le facteur qui est passé. Je pense pas que ce soit Amazon, mais on va aller quand même voir ce qu'ils nous ont livré, ça m'intéresse. Cool, regardez. Ah non, ça doit être le. Je sais. Ça, je peux pas vous le montrer avant le 4. Bon, la marque m'a demandé de filmer ces arrangements, enfin un truc sympa. Et ça doit être le bouquin. Je vais quand même ouvrir parce que dans le doute. Loco, yes. Voilà, stop, stabilise-toi. Alors, j'ai commandé hop, le livre de. Vous savez, la chanteuse Rose, donc, qui a sorti son livre dans lequel elle explique pourquoi elle a quitté en fait la scène. C'est Kérosène. Cool. Vous voyez, vous la reconnaissez, elle a eu un sacré succès, je crois qu'elle avait même gagné des victoires et elle est tombée en fait, je crois, dans la drogue. Et voilà, ce genre de truc pas cool. Donc, sa bio m'intéressait pas mal. Cool, le facteur vient de passer une deuxième fois et regardez, en fait, c'est fou quand même Amazon. En moins de 24 heures, j'étais livrée. Et là, je vlogue plus, hein, enfin, je fais comme ça, même la main. Ah, oh, c'est cool, j'ai hâte de voir Beautiful Light. Alors, point positif, bah ça rentre dans un sac à main, donc c'est très discret. Par contre, je comprends pas comment je vais clipser. On va regarder ça. Ça y est, je peux enfin revloguer. Qu'est-ce que ça m'avait manqué. Du coup, je me suis lavée et je me suis habillée. Je suis sortie de ma dépression. Non, je déconne. Ça fait écho à la vidéo d'hier. Parce que, bon, c'est vrai que c'était pas la vidéo la plus gaie, mais bon, voilà, j'avais envie de la faire comme ça sur le moment. J'ai même pas réfléchi. Et d'ailleurs, ma maman m'a appelée, genre 2 heures après qu'elle soit diffusée, donc vers 20 h. Elle me fait ça va? Oui, pourquoi? J'ai vu ta vidéo. Oui, non, mais t'inquiète pas en fait, c'est bon. Et des fois, j'oublie que des proches regardent mes vidéos, et bon, voilà. J'ai eu aussi un message sympa sous la vidéo. Il manque plus que la corde. C'est top. Bon, bref, tout ça pour vous dire que qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir revloguer. C'est ultra léger. Il y a l'option, comme je vous disais, attends, voilà, tenter. Là, j'en ai pas trop besoin. Hop, attention, avec la lumière en pleine face. Bon, elle y est, là, je pense que vous n'allez pas trop voir, c'est surtout la nuit. Je vais éteindre. Voilà, donc il n'y avait aucune différence. Et il y a le frère d'Eric qui est venu faire un petit coucou. Et ils sont partis, c'est le bordel, ils ont bu l'apéro. Je dis ils parce que moi, je n'ai pas bu l'apéro. Et ils sont partis chercher des pizzas. Les pizzas chez Domino's, vous savez à combien elles sont aujourd'hui? Peut-être parce que c'est fête Halloween pour ce soir. 5 euros! 5 euros certaines pizzas. Donc ça vaut trop le coup. Et c'est vrai qu'elles sont pas mal. Donc voilà, le programme, on va manger. Et après, je vais, comme prévu, chez Action, voir le fameux portant qui m'intrigue. Et puis utiliser ma carte Jiffy. Si vraiment il y a des trucs qui, comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas acheter pour acheter. Voir s'il y a des trucs sympas. Non, mais c'est vrai que ça va du coup quand même 5 balles les pizzas. Oui. Ah, j'adore. Ah, vous avez pris. C'est quoi ça? C'est Pepperi Crunch. Non, je sais pas. Ouais. Il récupère parfois les gens rapportent la pizza et t'as pas de quoi manger. Ouais. Hop, il a le tour. Oh, que tu es drôle, Lionel. T'imagines? Tu m'as manqué de respect là. C'est vrai? Pourquoi? J'ai fait quoi? Je t'ai dit que tu es drôle, faut un peu. Ah! Attends, sur un ton? Elle l'a dit sur internet. C'est-à-dire que non seulement. Ah ouais, t'es elle mal. t'a dit, t'as été cassé devant ta famille. Ouais, mais personne sait à quoi tu ressembles. Est-ce que c'est pas plus mal? Ça, c'était méchant. Si vous voyez qui? Nick Tu trouves? Ah bah oui, carrément. Bon, non. Ah oui, qui ressemble, c'est lui. Bah, Lionel. Moi, je vais le faire, Nick Nolte. C'est quoi que tu prends? Ouais. Pouilly fumé. Comme vous voyez, je suis dans une pharmacie. Je me cherche un petit sirop pour ma toux parce que c'est plus possible. Et chez Jiffy, j'ai trouvé des trucs très, 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 très cool. Je vous montrerai ça en haut, je pense. Ça, c'est bien. L'éponge Conjac, je l'utilisais ça avant. J'ai mon petit sirop et j'aime bien parce qu'elle m'a demandé, vous n'êtes pas diabétique? Mais je pense que c'est par rapport au fait que ce soit sucré ou pas sucré. Et vu tout le sucre que je m'enfile. Bon bref, j'ai un antitussif.
On va à Leclerc. Pourquoi on va à Leclerc au fait? Hein? Pourquoi on va à Leclerc au fait? Pour aller à l'espace culture. Ah oui, à l'espace culture. Ah ouais, c'est C'est vrai. Et eh ben, il est bien, hein, mon petit manteau. Très mon, très chaud. Mon frère avait une super blague. C'est quoi sa blague? Ça prend en compte des noms de marques. Je sais pas si on a droit. Ah oui, non, c'est bon. Bon, allez, je vous laisse, il pleut trop. Alors, bon, on est allé chez Leclerc et je suis retournée chez Gémeaux parce que mes chaussures, je vous montre celle-ci là. Ça a des petites comme ça là, toutes plates. Eh bien, elles ont un trou, donc en plus il pleut, ça prenait l'eau. Donc Eric me dit retourne à Gémeaux, va t'en acheter. Vous savez, celles qui sont un petit peu panthère, léopard. Eh bien, j'ai pris les mêmes, les versions grises pour 14 euros comme elles sont en solde. Bon, alors ça va être utile. Et puis, bah, les gris, je les mettrai, je pourrais les utiliser pour l'extérieur. Et j'ai trouvé, vous savez, les pyjamas animaux. Eric, il y a 2-3 jours de ça, il rentre et il s'est acheté le pyjama intégral qui ressemble à Jackie. Donc noir et blanc en forme de châssis. Si, c'est même pas moi qui lui ai dit d'acheter ça, c'est lui. Donc, et c'était trop marrant, mais je me demande, je crois que c'est un chien, mais bon, bref. Et du coup, bah, moi, j'ai trouvé le même pyjama, enfin un pyjama un peu de ce style-là, mais version lama, gris. Et super sympa, donc j'ai pris chez Gémeaux, je vous montrerai. Et également une bouillotte. Je sais pas, j'aime bien une petite bouillotte contre le ventre quand je regarde une série le soir. Et surtout, je vais être honnête, vous allez voir, elle est tellement jolie. Et voilà, bah, je crois que c'est déjà bien hein, pour aujourd'hui, c'était pas prévu. Ma gorge, là, j'ai l'impression que ça m'a fait un bien fou, le petit sirop. Et en même temps, je me suis pris ça. Les Lavogiennes miel citron. Bon, ça fait du bien. Voilà, et ce soir c'est Halloween, donc j'avais acheté des bonbons, faut que j'installe ça, faut que je les prépare. Et une petite lanterne qui est dans mes escaliers avec LED que je vais mettre sur au premier étage, comme ça ils verront la petite ambiance, ça les incitera peut-être à sonner. Ça peut être cool. Et bah ils sont pas là les autres parce qu'ils sont restés chez Intersport à regarder, je crois, essayer des pompes, ce genre de trucs. Nous sommes rentrés à la maison et bah, je vais vous montrer les petits achats. Donc il y a des changements de programme, Oscar va aller à une soirée Halloween chez son frère, sa soeur, ils font grosse soirée déguisée et tout. Moi, nous, on n'y va pas. Et bah, lui, il va y aller. Donc, il faut qu'on aille absolument lui acheter. On va aller à la Farfou lui acheter un déguisement. Sinon, tu rentres pas. Bon, mais d'abord, je vous montre tout ce que j'ai pris. J'ai même essayé le pyjama. Il est sympa. Alors, j'ai trouvé cette bouillotte qui est ravissante. C'est la bouillotte classique en silicone, mais j'ai pas compris. Ils disent de pas l'utiliser au micro-ondes, de pas mettre d'eau bouillante. Bref, je sais pas. Et avec, bah, c'était vendu ça pour les yeux, pour dormir, c'est hyper mignon. Cette tenue, donc, avec la tête de lama, complètement ridicule. Taillé, j'ai pris 16 ans, qu'est-ce qui est marqué? La flemme d'être sans mon lama. Voilà, il a coûté 22,99€. Et donc, c'est pour ça que j'y allais à la base. 14,99€ chaussures au lieu de 24,99€. Ce sont, vous voyez, celles-ci. Très sympa, elles sont gris chiné bleu, non plutôt gris. Je les ai pareil essayé, ça me va très très bien. Je vais pouvoir jeter celles-ci qui ne sont plus étanches, il y a un trou. Avant d'aller chercher son costume, je vais aller mettre la petite lanterne et j'ai préparé ça. Enfin, je ferai ça après pour les bonbons. Tu penses qu'il faut? Oh, je vais acheter une citrouille et tout, ça va aller ça. Si, bon, si on en trouve, bah, je mets ça en attendant sur ma fenêtre. Oula, faudrait pas que ça tombe sur la tête des gens non plus. Allez, on y va. Je vais d'ailleurs acheter des croquettes. T'as plus de croquettes, mon bébé. En tout cas, pour demain matin, donc je vais chez Jardin. Tout le monde est prêt? Oui. Allez, on y va. Tu vois, déjà, t'es dans le bain, là. Alors, on lui a pris pour pas qu'il arrive les mains vides un truc énorme. Je vais vous montrer plein de trucs américains, des gros trucs et tout. Combien ils sont ce soir? Je crois qu'ils sont très très nombreux. Hein. Ouais. Résultat, on va chez Jiffy parce qu'Eric veut absolument sa petite citrouille et qui peut, enfin, avec une bougie dedans, je sais pas quoi. Et comme pour Jackie, c'est juste à côté Intersport, bah ouais, Intersport, Jardiland. Bon, lanterne achetée. On va chercher les petites croquettes. Peut-être qu'on va avoir le nouveau petit chat. Peut-être.
Oh, mais il va falloir que je fasse un petit tour parce qu'ils ont tout installé. Ça a l'air tellement beau. Bon, j'ai pas le temps, mais. Oh, ça a l'air sympa. J'adore. Oh, la maison en guimauve. Yes. Ah, oh, c'est sympa. J'ai trouvé une petite croquette, par contre, le chat, je l'ai pas vu. Je suis déçue à chaque fois que je le vois pas. Regardez ce qu'on a pris pour qu'il emmène à la soirée. C'est les trucs qu'on trouve aux États-Unis. Énorme et tout, bien chimique au fromage. Le coca qui fait 3 litres, 3000, 1 millilitre. Et là, il y a un énorme pot de. Comment ça s'appelle? Popcorn. Et il est parti mettre son déguisement. Et Eric, il est parti mettre la petite lanterne qu'il a trouvée. Citrouille, comme il voulait. Voilà, c'est nickel. Et maman, elle t'a pris les croquettes pour chat stérilisé. Contrôle de la satiété. Et ce qui est là, dans le gros sac Jiffy, bah, je vous ferai un haul, hein, comme je vous disais, bah, demain, je pense. Je vais essayer de mettre la lumière. Ma nouvelle perche. J'ai accroché la lanterne. Et alors? Bah, je veux y voir. Attends. Oh là là, on y est, on y est. Bon, allez, je vais voir ta truc. Fouah. Non, stop, c'est bon. Ça va, ça va, ça va. Oh, le gars, il s'arrête plus là. C'est pour faire de la fumée, Non, oui, bah. Et mais attends, pourquoi c'est noir comme ça là? T'as dit à Oscar de mettre son costume? Il est en train. Il est en train. Voilà. C'est pas pour bébé, ça qui? Non, non, non. Oh là 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 là. Voilà, ça c'est quand les enfants vont venir sonner. Mais oui, toi tu fêtes pas Halloween, tu te serais déguisé comment, mon bébé Samour? Hein? Le beau garçon, sa maman. Oh. Ouais, franchement, c'est pas mal. Si, si, si. Mais et par contre, tu m'as dit que dedans il y avait la cravate. Non, mais là je l'ai pas mis. Ah oui, mais t'es super là, non? T'as un doute de quoi? Non, je te demandais Au aussi. contraire, non? Ah, très bien, au contraire, c'est très bien. Au contraire? Bon, bah t'y vas pas en chaussons. Non, je vais pas aller en chaussons, mais. Non, non, c'est bien. Bon, on est rentré, on a déposé Oscar chez sa sœur pour la fête. Et vous savez quoi? Je vais commencer une petite soirée avec Eric. Je vais clôturer maintenant ce petit vlog et vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Ouais, parce que là, à part des enfants, des groupes qui vont passer pour des bonbons, et puis on va se mater, je pense, un film comme ça, cosy cosy avec nos petits pyjamas animaux, je vois pas ce qu'on va faire d'autre. Voilà. D'intéressant en tout cas pour vous. Je vous refais un énorme bisou. Et puis attendez, est-ce qu'on fait un gros bisou? Mais oui, j'étais dehors, c'est ça, hein? C'est maman quand même. Bon, allez, salut.